Nina, Julien, vous prenez le C4. Mathéo, on commence direct à faire les otages. Reste en bas, Mathéo, pour l'instant. On montera que quand il faudra remettre le courant, mais on va rester groupé pour éviter. Faudrait vite faire des convertis en fait, je pense. Ouais, mais pour faire des convertis, faut qu'il y ait des ennemis chéris. Pour l'instant. Placer une mallette de soins ici, c'est très hasardeux, Mathéo. Ouais, c'est pas grave. Il y en a une autre dans les chiottes, on va se débrouiller. Bah c'est très à couvert en fait. Et ici les ennemis à côté de mes tourelles encore, mais là de l'autre côté. Alors, on va faire avec. Je t'ai dit que pour l'instant il n'y avait pas besoin de rester dans les chiottes. Tu restes dans les chiottes, tu les couvres comment les tourelles? Moi j'ai mis deux convertis, c'est bon. J'ai pas pu en faire encore perso. Je vais essayer d'allumer le truc. Si tu peux me couvrir en Mathéo. J'arrive. Cas où. Bon, c'est bon. Ça s'est plutôt bien passé. Putain, quoi? Qu'est-ce que t'as pris? J'en ai toujours pas. Nina non plus, t'en as pas, je crois. Non, j'en ai pas. Nina, viens, j'en ai un. Bah merde, je l'ai tué. Mathéo, va chercher les treuils. Ouais. Putain, j'ai vu un truc bouger, je commence à me dire whoop. Non, ça va, c'était juste un. Venez pas là-bas, vous restez là-bas. On va fonctionner sur les trucs comme ça, on va essayer de fonctionner par binôme. Merde, putain, j'ai réussi à me paumer quoi. Derrière toi. Ouais, c'est pas grave, je passe par l'entrée. Ça va le faire. C'est pas grave. Il y a un petit risque.
là Mathéo on y va tous les deux. Ça je vais finir toi un coup. Ah meurs toi. Tu m'emmerdes. Bon, ah c'est l'autre côté. H. Oh bonjour, reviens là, reviens là, reviens là j'ai dit. Hop là, j'ai enfin un converti. Bon, tant pis pour lui. Passer par l'autre côté. Oui. Si, si, je peux. Ah merde, c'est vrai que... Oh putain. Ouais, en fait, il va falloir faire les feux d'artifice. Regarde un truc. Ouais, on va mettre la perceuse ici parce que pour la fuite, on sera content. Hop. Attends, c'est quoi ? Ayette, je te montre un truc. Le coffre on s'en fout, y'a rien d'intéressant dedans mais le tableau merci. A de la valeur. Attention. Y'a un deuxième converti quasi. Yep, nickel. Bien joué. Attention shield. Hop. Bulldo minigun. Bien joué ça. Merde, je peux pas le prendre, je te laisse le prendre. Bulldo médic. Je vous laisse le gérer. Mathéo, attends-moi, je vais t'accompagner pour les feux d'artifice. Faudra dégager les snipes, sinon on va se faire ouvrir le cul. C'est bien, le début a été difficile, mais on dirait que vous avez trouvé votre rythme là. C'est bien. Attention, snipe. Normalement, c'est bon. Non, il en reste un. C'est bon. Je vais te mettre un fumier. Ouais, bah c'est bon, c'était bon en fait. Ouais, c'est pas grave. Nickel. Allez, on redescend. Il va rester aussi proche. Recule. De rien. J'utilisais mes deux CME pour gagner du temps. C'est bien joué ça. Allez Mathéo, salle de sécu. Comme vous verrez le crochet sur pour la PPG, vous me laisserez le prendre. Le crochet. Tout simplement parce que j'ai plus l'habitude et comme souvent il y a des chutes mortelles à cause de ça. Hop 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 hop. Touche pas à ça toi. C'est pute. Bien réussir à me faire mon deuxième converti. Ok c'est bon, on peut aller devant Mathéo. Thanks. Qu'est-ce qui m'a fait mal comme ça?
là. Ouais. Au moment où tu dis ça. Putain de taser. Ok. Je démarre le travail. Bon, pas trop mal pour l'instant. On a eu un début un peu compliqué, mais on s'est bien rattrapé. Et j'ai pas lâche pas la pression. On reste bien vigilant. C'est pas une petite mission de peine de mort. La plupart des gens, tu sais, quand je l'ai partagé sur le groupe espagnol, il y a... Non, c'était le groupe anglais. Il y a un gars qui m'a dit, mais t'es complètement malade, pourquoi tu fais ça en bourrin? C'est 10 fois plus rapide et facile en furtif. Et il a raison. En furtif, c'est 10 fois plus... Ah ben, en furtif, tu peux la torcher en 14 minutes. Donc ouais, évidemment, en furtif, c'est 10 fois plus facile. Mais c'est là aussi où c'est qu'on a, nous, le prestige, c'est que ben nous, on le fait en bourrin, quoi. On le fait en bourrin, on va tenir un assaut de 45 minutes sur une map grande et compliquée, avec beaucoup d'ouvertures, avec aussi beaucoup d'objectifs à réaliser tout au long de la mission. On va tout prendre. On va essayer de tout prendre. Après, on verra, on s'adaptera selon, à ce moment-là, comment on aura subi, c'est-à-dire la consommation de sacs médics. D'ailleurs, en parlant de médics, il est mort. Et aussi les tourelles. Et en fonction du nombre de tourelles restantes et des sacs médics restants, on avisera et on établira un plan sur le moment. Si vraiment on voit qu'on est trop juste, on joue l'objectif, on prend pas de risque. Si on voit qu'on est large, on a encore de quoi pouvoir tenir, même avec des mises à terre et tout, là, on se fait le full loot, on prend tout. Ça dépendra de comment sera passée la mission. Derrière toi, ça va, je suis bien, derrière toi. C'est bon, il est mort, celui de derrière. Ils arrivent souvent par deux, ces fils de chien. C'est des coupes de pédales. Pardon. Un shield. T'aimes bien jouer. Ouais. Médic. C'est désossé, lui. Deux. Ah, ça sent pas bon. Putain, je me coince dans le décor, moi. C'est bien, on est bien. Bah parce qu'on n'avait pas encore les couvertiers et tout ça, en fait.
Ouais, puis c'est un peu le temps de chauffe aussi. Moi, quand je Peut-être. fais du pain de mort solo, j'ai souvent beaucoup de mise à terre au début. Je me dis, ça va jamais passer. Et au final, après, j'arrive à trouver mon rythme et ça passe. Il est où? Ok. Oh, joli. Merci la prise. Ouais, j'y suis. On va passer la truc presque la plus chiante. Après là, ce qui sera vraiment chiant après, ce sera la fuite. Faudra surtout prendre son temps pour la fuite, pas vouloir être trop pressé. Ouais, c'était un petit médic qui a pas fait long feu. Je crois qu'il y a un truc que tu peux prendre dans la préparation pour que ça surchauffe moins. Il me semble qu'il y a un truc. Mais bon, là, la prépa que j'ai fait pour le bourrin, vraiment, c'est la meilleure. C'est celle qui permet de gagner le plus de temps sur le bourrin. Non. Ouais. Je passe par la salle de sécurité, je crois. Je m'en rappelle plus. Je crois que je l'ai fait une fois, mais c'était il y a longtemps. Et encore, je suis même pas sûr d'avoir fait en furtif celui-là. Oh, ouais, peut-être un jour. Ouais, un jour si vous voulez. Ouais. Je suis pas spécialement contre. Je sais pas le bouquin. Pas encore. Ouais, continue tant que ça nous dit pas qu'on peut descendre. Ça m'étonnerait que ce soit déjà fini. À 18 minutes, j'ai un doute. Théo, Mathéo. De quoi? T'es où? Je gère tout le haut. Ok, ben, je vais venir t'aider du coup, parce qu'à la base j'avais prévu que tous les deux on soit à gérer le haut. Là je suis en train de le gérer depuis tout à l'heure en fait tout seul. GG gros, c'est bien. J'essaie qu'il désactive pas trop les... Oh, je vais tomber. Merde. J'essaie de rester concentré, c'est pour ça que je parle pas trop. Ouais, pas de soucis, c'est bien. Très bien. Oh merde, j'ai fait le con là, putain. J'arrive. J'ai eu pareil. Bon, par contre là, il faut que je prenne des soins toxiques. Putain, j'ai plus de balles dans même. Ok, ben je vais redescendre alors. Ok, je continue. Par contre, en haut là, ça commence à être le bordel aussi. Ça va, il y a plus grand monde en vrai. Si, il y a pas mal de monde de l'autre côté, gros. Oh putain, ouais. Oh, j'essaie de te laisser gérer, gros. Oh.
Bonjour. T'as vu ce qui est arrivé? Non. Oh putain de merde. Et Mathéo, pareil, si tu dois te soigner, c'est plutôt de descendre dans les shots pour pas bouffer tous les kits de soins dès le départ. Dans la mesure du possible, bien sûr. Si tu vois que vraiment ça pue trop la merde pour toi, tant pis, tu le claques. Hein. Mais si tu peux, si tu vois que tu peux le faire, descends. Le coffre, il est ouvert, les gars. Ok, nickel. On attend que Nina récupère les tourelles. Qu'elle se retrouve pas toute seule avec les assauts. Là, maintenant, normalement, ça devrait être pas trop mal. Ok, j'ai mes tourelles, on peut y aller. On a été assez rapide en plus, hein. 21 minutes pour atteindre le coffre. En général, en bourrin, on est autour des 25. Je vous laisse gérer le haut, je vais direct gérer le bas. T'es où, toi, Julien? Faites attention à ce qu'il n'y a pas des ennemis qui y arrivent. Le temps que je fasse de la place. Donc je répète au cas où pour Julien et Mathéo, la porte qui est en bas avec le bouton vert, on n'y touche pas tant qu'on n'a pas réuni tous les sacs devant. Ouais, moi je me rappelle de ça. Ouais, je préfère le rappeler. Bah en fait sinon les assauts ils vont arriver des deux côtés alors que tant qu'on l'ouvre pas ils peuvent pas arriver de par là-bas, donc autant en profiter quoi. Ouais, moi je me rappelle de ça. Non. Et où ça? Ouais. C'est bon, le bail est terminé, presque terminé. Ok, on a fait tout l'étage. Normalement, à moins que vraiment on se chope un gros assaut de l'autre côté avec un rush de buldo, ouais, normalement... Ok, j'arrête. Deux en plus. Au moment où je retire mes tourelles. Maintenant on descend, je vais mettre mes tourelles en bas de l'escalier. Donc... Comme je disais, à moins qu'on ait un rush de buldo vraiment d'un coup, normalement le plus dur est passé. Mais on reste quand même vigilant, on n'est pas à l'abri qu'on ait une couille qui nous arrive quand on va passer la porte. Ça peut arriver aussi. Quand tu ouvres la porte, chérie, pour que je mette des tourelles de l'autre côté. Ouais, dès que tous les sacs seront réunis. On prendra l'objet du dentiste en dernier. Pour le mettre en premier, comme ça on le met direct au cas que ça sente trop la merde. En gros, le dernier vivant se tape la fuite. Donc en gros, Mathéo, ça sera probablement ton rôle si vraiment c'est trop la merde. Ouais, c'est ça, je vais le mettre direct pour que s'il y a un pépin, qu'on puisse taper la fuite. Oula, buldo. Ok, on est bon. Celui-là, on le prendra en dernier, l'objet. Je le prendrai sur le dos en dernier. Donc là on se rappelle les gars, on place les sacs. Ouais, on place les sacs correctement. Si vous voulez, vous me les lancez. Je m'en occupe. Tu me les balances et je les balance à KG. J'essaie de garder un petit œil sur mes tourelles au cas où. Celles qui sont de votre côté pour le moment. Je récupère des mines.
Parce que là, celles qui sont le plus en danger, c'est celles qui nous couvrent à l'arrière, en fait, pour ça. Et t'as pas perdu de tourelle encore? Non, pas pour le moment. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Restez concentrés, ça se passera bien. Donc, te médic de merde, meurs. Voilà. On va tirer les remèdes parce qu'elles sont bien souffert. Tu t'en sors avec les sacs, je veux dire. Oui, t'inquiète. La merde. Ouais, en fait, si tu veux, tu dois choper des codes pour ouvrir qui sont cachés un peu partout dans le casino. T'en as un au bar, je crois, un de sur un balcon et l'autre dans le bureau du directeur. Bulldo minigun. Merci. Putain, j'ai cru qu'il y en avait un second sur le coup. Et t'as pas de sac sur le dos surtout. T'as pas de sac là sur le dos. Okay. C'est pas grave, reste à tenir l'assaut, on va se démerder. Hein. Ah ouais, moi je le vois sans sac. Ah putain, j'ai le bug de sac aussi. Sérieux? Oh merde. Putain. Bon. On va continuer comme ça les gars, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Si vraiment on voit que vous êtes bugué, qu'on peut pas faire la fuite pour que vous ayez la mission de valider, vous quitterez et vous reviendrez. Ouais. On attendra pour se barrer. Bon, en espérant qu'on devra pas se barrer de. Ouais, du coup. De toute façon, après là, on est là surtout pour. On est là surtout pour le défi, on va dire. Ouais, mais du coup, ce qui est chiant, c'est que je peux. Il y a un bulldo juste au-dessus de nous, Kenji. Deux bulldos. L'autre s'est barré au-dessus. Ok, tous les sacs ont été mis? Non. Ah, sauf le mien. Ouais, ça, ouais, mais ça, c'est normal. Je vais récupérer. L'objet du dentiste. Tu t'en occupes, chérie? Je vais aller récupérer mes tourelles. Vas-y, je commence à monter les trucs. C'est pas grave, on va s'adapter, les gars, stressez pas. Ta gueule! J'ai dit stressez pas. Derrière toi. Putain. Ouais, mais tu sais. Ouais, il voulait pas crever, ce fils de pute. Bien joué. Comment ça, double bug? C'est pas grave, les gars. Adaptez-vous, on reste concentré. Concentrez-vous sur les ennemis. C'est les aléas, ça. Commence à mettre les sacs. Ah ouais, je peux plus du coup. C'est pas grave, on va se débrouiller avec Nina. Après tout, on l'avait déjà fait à deux, donc il y aura juste plus de sacs. Je pose. Comme ça. Ah ouais. Hop, valise ici. Oh, mais j'ai plus de balles, elle fait chier. Il est où le beau? Il y en a deux là. Ok, un au moins. Allez, j'ai plus de balles. Tiens, fils de pute. Bah, moi non plus. C'est parfait. Ah. J'ai plus le bug du sac. Ouais. C'est déjà bien. Ok, je peux transporter. Julien? Julien, spam R1, L1. C'est
C'est comme ça que ça m'a fait débugger. J'ai appuyé sur R1 pour, tu sais, poser le medikit. Est-ce que ça te met quelque chose quand tu mets R1 pour poser le truc? Ah ouais, donc toi, ouais, t'es vraiment bien bugué en fait. Ah! Contre, en termes de timing, chérie, t'as vu, on est bien. Hein ouais. Du coup, que Mathéo a couvert l'eau, je pense que ça nous a fait gagner pas mal de temps. Ouais. Et aussi, du coup, moi, je pouvais m'occuper de couvrir pendant que vous étiez les deux à gérer les réservoirs. Je pense que tout ça, ça nous a permis de gagner pas mal de temps. En fait, on a eu une bonne répartition aussi. Ouais, c'est ça. C'est très et bien, puis, les gars. J'ai bête aussi, mais j'ai pas perdu de tourelle, donc ça a bien couvert. Ouais. Aussi, ouais. C'est vrai que ça, c'est un gros avantage. Voilà. Non, j'ai pas perdu de tourelle, aussi. Non. Ah, d'accord, je comprends. C'est sûr. Il y avait un bulldog qui était pile sur une tourelle. Hein. C'est déjà ça de gagner. C'est dans la poche. Un converti qui a pris feu dans le jeu. Le sac. Ouais. Non, non, je vois rien. Ok, j'ai le dernier sac. Ah ouais, pareil, ouais, du coup, ouais. Du coup, oui. On est bon? Ouais, ouais. Est-ce que c'est aussi bien quoi? Ah, ça, on a pu se barrer. Ça va. Ouais, 35. Vous êtes tombé combien de fois chacun, s'il vous plaît? Deux. Moi, 4. 5. 4. Neuf pour Julien. Attends. Et une pour moi. Combien? Une seule. Moi j'en avais 4. Va falloir que tu prennes l'habitude de jouer un peu plus à couvert, Julien. Je pense que c'est ça qui pose problème. Ouais. Et ouais, mais le truc c'est que comme je t'avais dit, les petits sacs je te les laissais au début parce que ça sera plus facile à gérer. Mais encore concrètement là t'aurais pu les avoir, ça aurait pas été gênant. Hein. Les gars, je vais me faire un café, je reviens. Ça marche. Okay. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de mise à terre au final. Au final, ouais non, ça va, c'était plutôt correct. Bah, sur les premiers failles, ouais, il y aurait eu beaucoup plus de mise à terre. Ouais, ouais. Là, on a réussi à rapidement. Mais c'était le temps que ça chauffe. Ouais. Est-ce que vous voulez enchaîner sur une autre mission plus courte? En peine de mort. Ouais, tu proposes quoi? Une Brooklyn? Ok. Oula, vous avez pas l'air chaud. Non, je préfère une Brooklyn qu'une train. Et le train que je me suis fait solo, merci. Putain, j'en ai tellement chié ce jour-là, bordel. Je pense que c'est la plus grosse map que j'ai fait solo. Ouais.
même une bug. Yep.